histoire d'amour. Banaluba. Donc c'est comme ça que l'histoire est finie, non? Ça sort. Ça sort. Hey guys, ici Vanelle, j'espère que vous allez tous bien. Bon, moi, je vais pas vous dire que ça va bien parce que c'est un peu compliqué ces derniers temps. Ça va pas très très bien, mais Inch'Allah, ça va aller dans les jours qui arrivent. Vous m'avez trop manqué. J'ai passé une semaine dure de chez dur. Donc là, franchement, le week-end, si je voulais vraiment me déstresser et me changer les idées et franchement vous faire une vidéo parce que ça fait déjà 2 semaines. Je vous ai dit que j'allais vous faire une vidéo toutes les 2 semaines, mais là franchement je reviens sur ma parole. Je vais vous faire une vidéo tous les dimanches à 13h. Je serai ponctuelle et je vais vous faire du contenu parce que moi ça me plaît de faire les vidéos, ça me distrait et tout. Donc franchement, désolée pour l'absence et l'irrégularité, mais sinon ça va s'arranger dans les jours. La vidéo d'aujourd'hui va parler d'une story time. C'est une story time. Je vous raconte ma première fois d'avoir été, on dit quoi, taxé. Taxé, c'est être racketté, pour ceux qui ne savent pas. Pour les Camerounais, on dit taxé, je crois. Taxé, c'est quand on te rackette, genre on t'intimide, tu vois, on te prend soit ton argent, soit ton téléphone, soit tes chaussures et tout. Mais moi, en l'occurrence, c'était mon téléphone. Je vais vous faire la petite histoire. J'avais déjà fait une story time dans laquelle on m'avait... Putain. J'avais déjà fait une story... Il y a les bruits là-bas. J'avais déjà fait une story time dans laquelle on m'avait agressée. J'étais avec ma soeur. Et là encore, j'étais avec ma soeur. Donc, écoutez bien. Détendez-vous. Avant de commencer l'histoire, abonne-toi. Parce que franchement, il faut que la communauté... Avant de commencer, abonne-toi. Like. On dit pas encore. Appuie sur le bouton rouge qui est à côté là, tu partages si tu veux. Reste jusqu'à la fin et suis-moi sur mes réseaux, Instagram notamment, Snapchat aussi. Bon voilà, c'était à l'époque. Putain, je faisais quelle classe? Je faisais 3ème, c'était pendant les vacances de 3ème. Je crois que j'avais eu le BEC, ces vacances là. Je m'étais acheté un téléphone, donc pour la petite parenthèse, pour ceux qui ne savent pas, chez nous le téléphone c'est après le bac. Donc avant le bac, tu n'as pas le droit au téléphone. Ce qui se passe, c'est que moi, donc vous savez, j'avais acheté un téléphone à, je crois, 14 000 comme ça. Un soi-disant Android, enfin, vraiment soi-disant, tu vois. J'avais acheté ça et puis je voulais me connecter et tout. J'ai même pas fait une semaine avec. Une semaine! C'était un dimanche comme ça, vers 18h, en arrivant vers 19h, j'ai vu à Lokpoum. Lokpoum, le quartier, là, on sait tous que c'est un quartier très dangereux, pour ceux qui savent un peu les Camerounais là. Bon, ce qui se passe, c'est que le dimanche, là, vers 18h, 19h, je partais avec ma soeur, je lui ai dit, accompagne-moi à l'hôpital des soeurs, je veux acheter la puce. Je voulais la puce, la puce MTN. Je sais ce que je voulais, parce que la puce MTN, ça, c'est les forfaits internet qui sont bien là. Je voulais ça. Du coup, on part à l'hôpital des soeurs. Enfin, vous savez, il y avait un rond-point là-bas en haut. C'est un stade en fait. À l'époque, c'était un stade. Enfin, je dis à l'époque parce que ça fait quand même 5 ans. Ça fait 5 ans. Ouais, ça fait presque 5 ans. Je me permets de dire à l'époque. À l'époque, c'était un stade là. Il y avait des gens qui jouaient. Il y avait des gens qui dansaient, on appelle ça le bois manga. Il y en a dansé là-bas le dimanche et tout. Il y avait dans les coins les gars qui se plaçaient là, tapaient les commentaires jusqu'à tard le soir, les rassemblements et tout. Pas avec ma soeur, j'avais mon téléphone à moi, elle avait un téléphone aussi, elle avait un Sony. Hein. On part pour acheter la puce. On part là-bas, en allant d'abord, elle me dit, prends ton téléphone, tu arrêtes ta main. Mon téléphone est là-bas dans ma bouche, derrière. Elle me dit, prends ton téléphone, tu arrêtes ta main. Je prends mon téléphone avec ta main, on part. On arrive maintenant, puisqu'il y avait des femmes là comme ça. Elles vendent souvent les fruits, les oranges, d'autres vendent. Elles vendent souvent les parapluies qui sont gros là. C'est pas du tout le parapluie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On est souvent les MTN, oranges et tout. Je me demande donc, est-ce que vous avez les plus MTN et les plus oranges? Personne n'avait. Du coup, on décide de rentrer. C'était avec 19h passé quand même, la nuit déjà, tu vois. On part donc, c'est là maintenant que les choses commencent.
on part, vous voyez, on descendait, tu vois, en allant, la route qui descend en allant vers Basson, pour ceux qui connaissent. Parce que moi, je descendais vers Basson, il y a un qui descend vers le Carrefour Express. Mais moi, je descendais vers Basson. Du coup, je descends même à côté de l'hôpital, il y a deux gars qui s'approchent. Ils s'approchent là, ils arrivent en grand, ils disent que, pardon, ils disent que bonsoir les filles, comment vous allez, machin, machin. Ils nous regardent, ils nous parlent, ils nous embrouillent. Un parle avec ma soeur, un parle avec moi. Ils nous parlent comme s'ils voulaient nous draguer, donnez-moi un nouveau numéro, machin, machin, vous êtes belle et tout. Pop, pop! Un temps de mouvement. En même temps, les gars ont arraché nos téléphones. En même temps, ils arrachent. Dès que le gars arrache mon téléphone, je vois là que je n'ai même pas le temps de constater quelque chose, que le gars est en train de courir, en train de partir. Il court, dernière vitesse, je me dis que je ne peux plus rien faire. Le gars est arraché mon téléphone. Quand je me retourne, je vois ma soeur avec le regard qui a arraché mon téléphone, comme elle est en train de babader, qu'elle est en train de l'agresser, genre, tu vois mon téléphone, tu vas me remettre mon téléphone, je ne devrais pas partir, je vais appeler ma grande soeur a les boys, machin, machin, tu vois mon téléphone, elle arrache, elle le fracasse, moi aussi je viens dedans, je l'arrête, je le fracasse, appelle ton ami, mon téléphone, appelle ton ami, on le fracasse, t'as la foule a commencé à venir, wesh, jusqu'à ma soeur a fini par récupérer son téléphone, et moi mon téléphone était à où? Bah sinon. On arrête les gars là, les grands là viennent maintenant au le rassemblement, la foule que ton ami est où, vous avez laissé les petites filles ici, oh, machin, machin, qu'est-ce qui se passe ici au Carrefour. Les gars commencent à faire le désordre, poum poum poum, les gars, leur tête là, ça tique souvent, non, mais à ce moment-là, c'est que gars, bête en rage, les trucs et les bouteilles, les bières vont commencer à sauter ici là, mieux on part. N'est-ce pas, on part. Que la bonne madame Vanelle, son téléphone est parti. Moi qui partageais la puce, je rentre, je n'ai plus le téléphone, mon téléphone est parti. Je passe, moi je n'arrive pas à croire que vrai, vrai qu'on m'a agressé. Vrai, vrai qu'on m'a agressé. On m'a taxé. Le gars est parti avec mon téléphone. Banaluba. Donc c'est comme ça que l'histoire est finie. Non? On rentre, on était à 19h passé, pour 20h presque. On rentre aussi en vitesse parce que notre père aussi arrivait. Faut pas qu'il rentre aussi, notre téléphone, il ne nous trouve pas à la maison, tu vois, plus de problème encore. Le truc c'est que tu rentres à la maison, tu ne peux même pas dire à tes parents qu'on m'a agressé, on a volé mon téléphone parce qu'on a pas au courant que tu as le téléphone. Donc tu gardes ce matin dans ton cœur, tu assumes que oui, donc c'est un peu ça. Laisse-moi rester comme ça là. Elle a fait comment? Voilà les vacances qui sont passées, non? J'ai toujours eu même histoire comme ça, les vacances de seconde, mais bref. Ça, c'était la petite story de ça. J'espère vraiment qu'elle pourra aider. Pour vous dire, franchement, au Cameroun, on agresse vraiment trop les gens. Des fois, on poignarde, on tire sur vous et tout. Ça devient très dangereux, hein, franchement. Les histoires que moi, j'ai comprises. Bon, c'était là, c'est la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais faire une autre story time sur ma première relation amoureuse, mais je ne sais pas si ça va vous intéresser. Et franchement, j'hésite à vous raconter ça. Quand je faisais première avec un soi-disant gars qui m'avait dragué pendant les fêtes. Ah! Histoire d'amour. Enfin bref, qui ai-je fini, bien évidemment. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonne-toi si tu as aimé. Like. Partage et moi je te fais de gros bisous et je te dis à dimanche prochain à 13h. Bisous!